Salut à tous et à tous, comment allez-vous? C'est Raftu69, moi ça va super, j'espère que vous aussi. Et oui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Asphalt 8 Airborne. Donc j'espère que vous êtes ravis de me retrouver. Aujourd'hui les amis, on va continuer un petit peu les courses de l'autre jour qu'on a fait. J'en ai fait un petit peu juste avant, j'avais fait une vidéo avant de vous faire ceci. Mais comme elle était foirée, ma voix, on ne l'entendait pas avec le micro. Le son du jeu était beaucoup trop fort. J'ai décidé de la recommencer à zéro pour pouvoir vous en refaire une autre plus propre, plus jolie et mieux faite. Et surtout que, faut que je vous le dise, elle était complètement nulle. Voilà, j'ai fini 5e, 4e. Enfin, c'était un peu du grand n'importe quoi. Donc c'est vrai qu'après tout ça, j'ai conclu qu'il était mieux de ne pas vous la poster et de la refaire complètement. Voilà, donc ça fait pour la 4e voire 5e fois que je la recommence. Donc vous voyez, c'est un peu ce classique, hein. Voilà, et je voulais vous dire aussi les amis, je pense que vous l'avez tous vu, c'est la publicité de Asphalt 8 Airborne, ça y est. Oui, ils sont en train de faire une pub sur ce jeu. Donc j'espère que beaucoup d'entre vous va se plaire, pour ceux qui ne connaissaient pas le jeu, qui le découvrent. Déjà, soyez les bienvenus. Et pour ceux qui le découvrent, j'espère que ça vous plaira. Parce que c'est un jeu qui est vachement, vachement bien au niveau arcade et de course, qui se rapproche beaucoup d'un petit peu de Need for Speed, mais un peu plus graphiquement, il est joli. Il n'est pas plus joli que Need for Speed, mais il est joli. Vous verrez, je vous laisse découvrir. Et pour ceux qui étaient déjà là, vous connaissez déjà un petit peu le système du jeu. Voilà, pour ceux qui m'ont suivi un petit peu sur ce jeu. Alors, nous, on va continuer par recommencer, les amis, du tout. Voilà. Donc on avait, si vous vous souvenez, la dernière fois les amis, on avait acheté la Audi, je crois. C'était une Audi qu'on avait acheté comme voiture, non? Je ne sais plus, enfin. Non. Ah voilà, oui, j'avance un petit peu parce que j'ai gagné quelques courses, vous voyez, à ce niveau-là. Donc ça va dans l'ensemble. Après, c'est vrai, regardez les amis, je sais pas si vous avez remarqué. On a des nouvelles courses, regardez. En saison 1, j'ai bien envie de les faire. Tout simplement les amis, pourquoi je veux les faire? Alors, tout simplement parce qu'on vient de les débloquer. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc, on va les prendre. On va pas faire la saison 2 tout de suite. Ah, j'ai pas vu par contre ce qu'il me demandait avant. Excusez-moi. Donc, on a deux vrilles et trois tonneaux à faire. Donc, faut bien se rappeler deux vrilles, trois tonneaux. Donc, il faudra que je vais le noter sur un papier si ça continue. Salut. Ah, c'est celle-là qu'on avait acheté. Voilà, c'est la Audi RS3. 250 km/h amélioration. Ouais, est-ce qu'on peut l'améliorer éventuellement? Oui. Ouais, ça peut être sympa, 1300, oui, on va augmenter un petit peu tout, on n'a pas assez pour mettre le nitro, merde. Aïe, 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 trop niveau 0, bon bah c'est pas grave, on va juste changer la peinture. Peinture, ah, regardez, peinture caméléon comme ça et tout. Oh, allez, claque, 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 moi j'adore, là je suis fan. Donc c'est parti, nos amis, avec notre nouvelle Audi RS3, on va faire un tabac et un malheur. Voilà. Donc allez, c'est parti, franchis la ligne d'arrivée en premier. Oui, c'est tout à fait logique, je n'ai pas attendu après vous. Donc nous sommes au Nevada. Pilar 4. Oui, oula. Oui, je suis sur l'application Windows 8, hein, pour ceux qui ne le savent pas. C'est une application. Oh putain, merde. Je me suis planté départ foireux. Alors j'espère qu'on va se rattraper. Bon, par contre, déjà, la voiture a pas de son. On l'entend pas. Elle est calme. Bon, après, c'est moi aussi qui ai peut-être pas beaucoup de son au niveau du jeu parce que je veux pas le mettre trop fort. Comme je vous ai dit, j'avais foiré la capture déjà précédente à cause de ça. Par contre, une mauvaise tenue de route! C'est pas le top. Waouh, c'est pas le top du tout. Non, 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 c'est pas ça. Par contre, regarde. Ah, j'adore. Est-ce que c'est une mise à jour qui a été faite? Parce que je sais qu'il parlait de mise à jour il y a pas longtemps dans ce jeu. J'ai vu les infos un petit peu. Et ils disent qu'il y aura une mise à jour dès décembre. Et donc, nous sommes en décembre. Mais je ne sais pas à quoi elle consiste, j'ai pas fait attention. Je sais qu'il y a des nouveaux mondes, ça c'est certain. Vous en avez parlé. Oh, premier les amis, premier. Oh là là, ça c'est bon ça. On va pas faire comme le précédent épisode où on finit quatrième. Parce que là, franchement, c'est bon, ça m'a saoulé, quatrième tout le temps. Le pont, non, je voulais pas, putain, on l'a mal pris. Ça c'est de ma faute là, par contre, c'est une erreur de ma part. Pourquoi j'ai voulu prendre comme ça cette rampe? J'en sais rien. Je n'en sais rien, des fois, j'arrive à m'épater tout seul. Je suis juste énorme. Ouais, bon, on va passer par là, hein, tant pis, hein. Oh putain, non, on va pas finir quatrième. On était trop bien parti. Ah ouais, non, c'est pas cool là. Ah, deuxième, ça va, on se rattrape. En plus, elle marche bien, hein, cette maudite voiture. Elle marche plutôt bien. J'aimerais bien qu'il nous la débloque pour toutes les courses. Ce serait sympathique quand même. Ouais.
Oui, la rampe et le saut qui passe par-dessus le ravin. Et on atterrit comme des grands macs, mais c'est parfait. On est deuxième, on est premier, les amis. C'est parfait. Premier dans cette course. Ouh là 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 là, c'est bon signe ça. Bon, on était premier. Je viens de voir le premier de nous passer devant comme je sais pas quoi. Ouais, vas-y. Ah, je vais l'éjecter par contre. Voilà, merci, s'il te plaît, c'est ce que je voulais faire. Voilà. Donc, comme ça, nous on peut rester premier, loin devant, bien sûr. Si on le peut. Si on le peut, bien sûr, parce que apparemment ça n'a pas l'air. Oui, si, 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 premier, premier! Oui, premier, les amis. Ah, c'est bon de finir premier parfois. Ah, je vous dis pas quel soulagement. 3 étoiles, première course. Premier direct, donc comme ça commence bien. Ça commence même plutôt bien. Donc on a gagné 899 crédits, rendre la voiture. Non, non. Bon, bah écoutez. Léo Audi, elle marche plutôt bien, regardez, parce qu'elle finit troisième, la seconde Audi. Chevrolet Camaro. Ah par contre, la Chevrolet, oui, ça c'est vrai. Que Menicky a fini deuxième, avec 2 minutes 10 et nous 2 minutes 09. D'accord, donc est-ce que ce sont des autres internautes? Je pense. Si c'est ça, bah vraiment, là, je pense qu'on peut être fier de nous, parce qu'on finit premier parmi pas mal d'internautes qui ont joué à ce jeu, qui jouent et qui ont fini à 2 minutes 10. C'est pas tôt, pas tôt. C'est plutôt pas mal. Voilà. Voilà, donc maintenant nous avons l'Irlande inversée. D'accord. Bon, celle-ci, on l'a fini. Vous voyez, on a 5 étoiles. C'est parfait. Là, on en a 3. Et là, il nous faut celle-là qui a 0 étoiles. Audi RS3 Sportback. Donc 1252. Avant tout, les amis. Plus tard, merci. Je voulais l'améliorer. Voilà, l'amélioration. Et mettre le nitro parce que vous savez qu'on a l'argent maintenant pour l'améliorer. Voilà. Alors, pas, les prix ne sont pas les mêmes, hein. 3000, 6500, 3000, 5000. Voilà, dans l'ensemble, 4,48, 253 km/h. Bon, pour le moment, ça reste l'une des voitures les plus puissantes de ma catégorie, de toutes mes voitures. Ouais, donc on est plutôt bien. Donc, allez, on attaque celle-ci. Séquence parfaite 2. Ah, aucun accident. Ok, donc séquence parfaite, je ne vois pas trop le rapport de la séquence parfaite. Qu'est-ce qu'il veut dire par séquence parfaite? Alors, séquence parfaite, est-ce qu'on peut savoir ce que ça veut dire? Non. Donc, nous sommes en Islande. Tour 1, pilote 6. Islande. Ah, ouais, d'accord, carrément dans la glace. Donc, ça va bien d'être le thème de ce mois-là, l'hiver. Le froid. Donc, comme ça, nous avons bien trouvé la course parfaite. Et je sens même que ce sera même la miniature de notre course. Ce sera la miniature de notre vidéo. Séquence parfaite. Pourquoi il a un petit point rouge, lui? J'en sais rien. Je me pose encore la question. Je me pose la question, pourquoi il a eu un point rouge, lui, sur la tête? Est-ce que c'est le leader? Peut-être, éventuellement. Cinquième, sixième. D'accord, ok, on n'a pas pris la bonne route, ok. On s'est planté. Ah non, on est premier. Bon, bah écoutez, tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux. Ah non, non, bah non, maintenant on est cinquième. On était premier. On n'est pas resté premier longtemps. Ah, mais je la connais pas la course aussi, donc c'est peut-être normal. Je connais pas le circuit. Donc je sais pas comment il se dégoupille celui-ci. Bon, bien sûr. Ils sont tous là. Bon, c'est pas grave. Le but, c'est de rester à côté d'eux. Pour pouvoir. Oh putain, il m'a éjecté le con. Ah, il m'a éjecté quoi. Voilà, vas-y, c'est bon, éjection pour lui. Voilà, on ralentit le... Ouais, non, mais de toute façon, on est troisième. Faut qu'on finisse vraiment premier. On a fini premier sur la seconde, de toute façon. Donc, sur la précédente. Donc, ça va. Je veux dire, on n'est pas dernier non plus. Ça va, encore dans l'ensemble. Deuxième. Mais si on peut finir premier, ça serait plutôt bien. Il nous faut une voiture qui roule à combien? 300 à l'heure! Putain, non. Je suis plein de PUTIN, je sais pas comment. Je le dis peut-être trop vite. PUTIN, voilà. Après articulation proprement, on arrive à le prononcer le mot comme il faut. Bon, bien sûr, je ne le. Voilà, la rampe, la rampe, la rampe. C'est obligé pour nous, ça, les amis. Oh là là, non. Putain, je prends la rampe et tout. Ça me tue, ça, ben Dieu. Ils nous remettent là? Non, 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 là il y a de la triche, là, là il y a de la triche, il y a de la triche. Il y a le premier, en plus il est loin devant. Allez hop, éjection, mais bon, on s'éjecte avec aussi, on est trop bête.
On est trop bête. Pourquoi je dis toujours on? Je suis trop bête, excusez-moi. Des fois, j'arrive à parler un petit peu aussi pour plusieurs. Qu'en fait, je suis tout seul. Voilà. C'est bon, je t'ai éjecté. Bon, le premier, c'est bon, je vais le virer. C'est bon, c'est parfait. Ah, là, j'ai fait l'effort de dire je vais le virer. Bon, on n'a qu'un tour aussi, les amis, c'est ce qu'il faut se dire. Donc, si on peut finir premier. Oh, le premier, le second arrive en plus comme une bombe. Non, ça va pas le faire du tout. Oh, fini en plus, fini la ligne d'arrivée là-bas. Elle est là-bas, elle est là-bas, elle est là-bas. Oh bah. Tout en dérapage, hein. C'est magnifique. C'est magnifique. Promis encore une fois de plus. Ah, l'argent va tomber. Oui, envoyez ton fantôme. Ton fantôme est prêt à tenter cette course. Envoyez ton fantôme. Non, connecte-toi à Facebook. Non, je vais pas me connecter à Facebook. Donc, non, ça va. Ah ouais, non, là, je suis content de moi. Bravo, mon petit Raph. 1034, on a gagné. Donc, 1034, c'est sur le supplément. Donc, 1786. Ouais, ça va dans l'ensemble, hein. Et maintenant, nous avons. Bon, bah, on a pratiquement toutes les courses. Il ne manque plus que celle-ci. La Grande Muraille? Il faut acheter une voiture. Et j'aimerais bien avoir la Citroën sur Bolt. D'accord. Bon, on est très loin de l'avoir. Donc, la grande course. L'entrée du dragon. Classe C. Ouais, super. N'est plus affiché. Ne sois pas dernier à la fin du compte à rebours. Temps aérien total, 4 secondes et tonneau 2. Donc, d'accord, il faut pas qu'on finisse, faut qu'on finisse premier. Et faut qu'on fasse un temps aérien et 2 tonneaux. Bon, pour le moment, c'est l'une des plus rapides de notre catégorie, de toutes les voitures qu'on aura. Donc, on va essayer de prendre celle-là. Et même, je sais pas si c'est pas la seule classe C qu'on aura. Parce qu'après, les restes, je crois que c'est la classe D, il me semble. Je sais même pas si ça existe, la classe D. Enfin, je revérifie. Le décor, en tout cas, est magnifique. L'effet est super beau. Made in Japanese. Made in Japanese. Les routes sont très étroites. Ouais, c'est très étroit, par contre, hein. Je sens que ça va être assez complexe pour réussir. Voilà, bon bah on commence bien déjà. Hop, déjà le tonneau il est fait. Si on peut faire les objectifs d'avance, ça serait bien pour qu'on puisse finir au moins premier. Par contre, c'est vrai que le circuit il est vraiment pas. Je le connais vraiment pas. Oh non! Ouf! Oh le coup de chance quoi! Oh le premier on l'a viré! Oh le premier on l'a viré! On est premier dans cette course! Ah ouais, là faut pas qu'on se plante, qu'on reste bien sur la lignée les amis. Vraiment bien dessus. Allez, avec les tonneaux en cadeau. Huitième éliminé. Donc faut qu'on reste premier tout le long de la course si on veut pas se faire éliminer. Vraiment pas sur ce coup-là. Voilà. S'il faut mettre un nitro. Ah ouais, d'accord, ok. Bon bah toi écoute, tu reviendras peut-être pas d'aussitôt. Si on prend par là, qu'est-ce que ça donne? Parce que moi je prends des routes. Mais je sais pas où elles me mènent. Est-ce qu'elles vont me faire finir dernier? Est-ce qu'elles vont me faire gagner du temps? Septième éliminé. Bon, ça va. Pour le moment, on est dans la bonne branche. Entre le premier, on est à côté du premier. Donc ça va. Ah, ça, même premier, je dirais. Voilà, comme ça, si on peut finir comme ça, premier tout le long de cette course, ça serait sympa. Par contre, les décors sont vraiment juste magnifiques. Franchement, graphiquement, il est vraiment beau ce jeu. Hein. J'adore. Je dis, franchement, vraiment super beau. Ouais, par contre, je sais pas si on va pas finir en dehors du circuit. Non, si. Ah merde, putain. On a perdu la première place. On va essayer de la regagner. C'est pas grave. Voilà, bon, ouais, c'est pas grave. On a déjà viré le troisième. Non, mais nous, on s'éjecte avec. Donc, comme ça, c'est pas très malin de notre part. Bon, c'est pas grave, on n'est pas dernier non plus. On est troisième. Cinquième éliminé. Oh, bah ça va, on a encore pas mal de tours d'avance. Le premier est pas loin devant. Et puis, vu comme ils roulent pas très vite non plus, ils sont un peu, on va dire, soucieux, on va dire qu'ils font un peu attention. Nous, on va pouvoir peut-être éventuellement finir premier dans cette course. En avoir réussi, à avoir réussi déjà à remplir tous les objectifs demandés. Quatrième éliminé. Oh non! Les amis, non! Oh putain, tu quittes le circuit. Non, je peux pas. Putain. Et nous sommes plus que 3. Nous sommes plus que 3, donc faut pas qu'on finisse dernier là. Sur ce coup.
Autrement, on est mort. Non! Eh ben, on est éliminé, les amis. Je suis désolé. On aura fait du mieux qu'on aura pu. C'est pas grave. De toute façon, on a accompli l'objectif. Le temps aérien et les tonneaux. Donc, pour cette course, ça va. On a gagné un petit peu d'argent. Ouais, si ça va quand même dans l'ensemble, regardez les amis. On a 2570. Avec 2570, on va pas aller augmenter tout de suite la voiture. Est-ce qu'on peut continuer celle-là? Est-ce qu'on peut faire la Nevada? Non, l'a déjà faite, il me semble. J'ai bien envie de la refaire, les amis, ou refaire des anciennes courses. Éjection. Ouais, d'accord. Classique, il nous manque une étoile. Ah non, on n'a pas vu. Island Infection. Classe C, nouvelle course. Ouais, ne plus afficher. Alors, intervalle régulier. Les pilotes situés à la dernière place deviennent infectés. Les pilotes infectés deviennent chronométrés. À la fin du chrono, les pilotes infectés explosent, puis guérissent. D'accord. Percute et infecte les autres pilotes pour gagner du temps. Tous les pilotes infectés ont du nitro à l'infini. Ah ouais, d'accord. Le premier qui atteint la ligne d'arrivée gagne. D'accord. D'accord, temps d'infection supplémentaire, percute et infecte les autres pilotes. D'accord, donc le but, si je comprends bien de la course, il faut... D'accord, bon, le but de la course, en fait, en quelque sorte, si je comprends bien, il faut qu'on les infecte, on les infecte, du moins, excusez-moi, mais il faut qu'on essaye de gagner aussi, de finir premier. Ils ont des belles voitures en plus, les mecs. Hein. Infection dans 9, 3, 2... Non, plus d'infection. Ouais, d'accord, ok. Ouh. D'accord, on n'est pas infecté, nous, ça veut dire? D'accord, ok, on n'est pas infecté, donc ça va. Ça va dans l'ensemble, ils sont deux à être infectés. Si j'ai bien compris le sens du jeu. Faut pas se faire infecter, ok. Par contre, oh, ils se sont cris sur le circuit Daytona ou quoi, là, les mecs? Ils roulent super vite, quoi. Et ouais, et puis nous, on va l'avec, quoi. On est trop malin. Ah, bravo. Un sixième en plus. Non, infecté. Putain. Ah oui, mais on a le nitro illimité, les amis. Oh, c'est bon ça. Oh, c'est bon. Faut être infecté en fait. Ouais, ben, il fallait, hein, il fallait. Mais on n'a pas de... Ah si, on a du temps. Ah ouais, d'accord. Et on va exploser, on va exploser, on va exploser. Destruction, destruction. Non, pas destruction, c'est destruction. Oui, ça nous met à chaque fois dans des positions indélicates. Ah ouais, mais non, on va exploser. Oh, la course est chaud quand même. Ouais, bah et boum. Explose, Raph. Surcharge d'infection. Ah, c'est excellent, hein, je connaissais pas cette histoire, tu es guéri. Ok. Bon, bah, on n'a plus le nitro non plus limité, les amis. J'aurais découvert un petit peu ce que ça veut dire, mais j'ai toujours pas compris à 100% le système de ce qu'il fallait faire là, dans cette course. Bon, il y a ceux qui sont infectés, ce qui est logique. Mais après, il faut faire attention à ceux qu'on va approcher. Par contre, j'espère qu'on va pas finir dernier non plus. Ça serait plutôt bien avec une bonne voiture comme ça. Ce serait bien si on pouvait pas finir dernier. On a une surcharge d'infection. J'allais dire une surcharge pondérale. Bravo, Raph. J'allais dire des conneries encore plus grosses que moi. Pouah, là, 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 là. Je sais pas où je suis passé. Je voulais pas prendre par là. Bon, c'est pas grave. Bon, on a très très mal commencé la course. Vraiment très mal. Bon, c'est vrai que c'est aussi la première qu'on fait. C'est la première fois qu'on l'a fait. C'est un peu normal qu'on ait un peu de mal encore à la réussir. Donc, c'est logique. Allez, ouais, ben, faut qu'on finisse au moins quatrième. Ça serait plutôt sympa. Voilà. Ah oui, j'ai oublié, c'est vrai qu'on pouvait la contrôler en plein vol, la voiture. C'était le petit truc du jeu. Qui était assez sympa. Waouh, quatrième. Quoique, on n'est pas mauvais, quatrième.
Ouais, si ça va, quatrième, les amis. Ouais, ça va. On va pas se plaindre. Ça aurait pu être pire. Surtout que c'est la première fois qu'on l'a fait. Donc, par contre, on n'a pas fait les tonneaux. Bon, bah tant pis. On a gagné un petit peu d'argent. On a gagné un peu d'argent. Est-ce qu'on a débloqué de nouvelles courses? Eh bah écoutez, non. Non, pas de course, bah, actuellement. Ouais, d'accord, ok. Qu'est-ce qu'on aura alors en course actuellement dans celle-ci? Donc on a encore une nouvelle infection, les amis, ici. Une slalom, une classique. On va prendre les classiques, parce que les slaloms, vous savez, la dernière fois, on s'est fait un peu chier pour les faire. Ou alors, est-ce qu'on l'a fait? Slalom en Guyane et les Alpes. Non, on va prendre les Alpes. Eh oui, c'est le nouveau monde. Eh oui, de la mise à jour, ça y est. Nous l'avons. On va prendre celle-ci. Alors, par contre, on va prendre celle-là. C'est la plus rapide du jeu pour le moment que j'aurai dans ma catégorie, comme je vous l'ai déjà dit. On va prendre les Alpes. Eh oui, c'est le nouveau monde, ça y est, les amis. On n'avait pas la dernière fois, je crois, les Alpes. Eh oui, c'est tout nouveau. Regardez-moi, franchement, l'effet 3D de ce jeu est magnifique. Les voitures sont vachement bien dessinées avec l'effet brillant et tout. Franchement, j'arrive à le faire tourner sans problème le jeu avec ma config. Et ça, c'est plutôt bien. Bon, on me dirait, j'ai pas trop de mal non plus pour faire tourner n'importe quel jeu. Certes, après, il y a des jeux qui sont beaucoup plus gourmands que d'autres, que j'ai du mal. Mais dans l'ensemble, je les fais à peu près tous tourner. Bon, bien sûr, j'ai pas fait encore Call of Duty et tous ces jeux-là. Même si je sais que c'est des jeux qui sont très 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 bien optimisés. Je le reconnais. Par contre, est-ce qu'on a fini premier? Non, parce qu'on n'a pas pris le raccourci. Donc, ah si. Si, on a fini premier. Ouais, bah non, on finit deuxième. Je l'ai vu passer pourtant. Hein. Il me semblait bien d'avoir vu passer le premier. Bon, c'est pas grave. Pourquoi on a du temps? Ah, mais d'accord, oui, non, mais j'avais pas fait gaffe. Effectivement, c'était une course classique. On a du temps pour le nous dire maintenant, on a mis pour faire les un tour. On a un tour, donc ça va. Ça. Dans l'ensemble, pas 36 millions de tours. Ouais, si c'est bon, on peut finir premier. Si on arrive à éjecter le pro, le, on arrive à l'éjecter. Voilà, bon, bah c'est bon. Hein, c'était notre objectif. C'était de le virer, lui. Autrement, il allait nous faire chier tout le long du chemin. À nous prendre la tête. Ouais, par contre, les décors, ils sont magnifiques, les amis. Franchement, avec l'effet de Noël, on dirait un peu les chalets de Noël. Par contre, on finit deuxième. Qu'est-ce qui se passe? Par où il est passé, lui? Hein, je peux savoir par où t'es passé? Non, tu nous diras pas par où t'es passé. D'accord, ok. Oh putain, en plus à la ligne d'arrivée, quoi, les amis, je suis dégoûté. Eh bah, tant pis pour nous. On aura fini au moins deuxième. On aura fait le temps aérien, mais on n'aura pas fait les tonneaux. Donc malheureusement, tant pis. On a fait 1213. Tu as suffisamment de crédit pour acheter cette voiture. Boutique. Non, boutique. On va aller voir ce qu'on a en boutique, les amis. Vous savez quoi? Boutique. Peinture. C'était laquelle? On a 13 000. Waouh, elle est belle la Chevrolet Camaro. Regardez-moi la bête. Franchement. Vous la trouvez pas magnifique? La Ford Focus RS. Lamborghini. Ah non, mais là, par contre, ça c'est. Elle est jolie, mais non. Un peu spéciale. Ah, la Lotus Roadster. Oui, on m'étonnait. Regardez le prix. Elle est pas dégueu. Ouais, bon, dans l'ensemble, on peut pas. 276 km/h. Putain, elle est magnifique. 8 500. Oui, il me la faut celle-là. 95 000. Pouah. Ouais, bah alors là, non, mais là, 295 000. Donc là, pour l'avoir déjà, je pense qu'à mon avis, on a de quoi faire. Donc, putain, elle est magnifique celle-là. Je l'adore, la Lamborghini Countach. Ah, la Maserati Gran Turismo Sport, les amis. 25 000. Ah oui, je fais un petit tour en même temps en boutique. Donc. Non, mais là, par contre, je ne dirai plus rien. La Mazda Furia, elle est. C'est une tuerie. Même un peu trop belle pour nous. J'aurais du mal peut-être à la voir. Les prix, par contre, sont très élevés sur certaines. 326 km/h, 67 000. Objectif, acheter celle-là. 450 000. Un peu trop space la Mercedes, donc j'aime pas du tout. Non, vraiment pas. 316 km/h. 327 km/h. 85 000, les amis.
326. Oh là là là. Alors elle, par contre, la Lamborghini Gallardo. Oh, sympathique. Putain, par contre, les prix, voilà, sont très 330. Oh, c'est des feux. Non, là, je pense qu'on tape vraiment dans les catégories grosses, grosses voitures. À moins que, les amis, on a cheaté le jeu. Mais non, moi, non, je ne le ferai pas. 330, je ne cheaterai pas. On va le faire à la loyale, quitte à galérer dans les courses. Mais on aura ce qu'on veut. 370, 350 km/h, regardez ceci. La McLaren, 350. Ouais, bon, bah, je pense qu'on arrête de rêver là, les amis. C'est trop, trop cher pour nous. Putain, elles sont magnifiques. Franchement, je suis en kiff total. Ils nous mettent l'eau à la bouche. Franchement, ils nous mettent l'eau à la bouche, vraiment, pour qu'on. On paye pour avoir ces voitures. 3 millions, non, mais là, non, non, faut pas arriver. Bon. La Dodge, on l'a. On l'a. On l'a. Et c'est la Cadillac qu'on peut s'acheter, les amis. 214 km/h. Pardon. Donc, à mon avis, il va falloir qu'on se l'achète. Donc, on va se l'acheter, allez hop. Et Cadillac. Et je vous propose même, les amis, qu'on l'essaye ensemble. Vous savez quoi? On va la tester ensemble, la voiture. Allez hop. Ouais. Non, c'est pas ce qu'on s'est acheté, non? Attendez, elle était là, je l'ai vue. Voilà. Peinture. Peinture, peinture, peinture. Alors, bleu, non. Noir, c'est peut-être pas trop son sa couleur préférée. C'est peut-être pas trop sa couleur qui lui va ensemble. Par contre, elle va bien. Excusez-moi. Ouais, celle-là, elle va bien. Cadillac. En marron, comme ça, elle est magnifique. Allez, c'est parti, nous, les amis. On va aller faire la course. Et est-ce qu'on a débloqué de nouvelles courses avec la voiture? Parce que, en sachant que vous le savez, on a une nouvelle voiture, donc automatiquement, je crois qu'on débloque des courses. Eh ben non, on n'a pas débloqué quoi que ce soit. Bon, bah, c'est pas grave. Je vous propose, les amis, qu'on refasse la Nevada classique avec cette voiture. Mais là, vu qu'on a déjà fini premier, c'est pas grave. Nous, l'avons maintenant, le principal objectif de cette course, les amis, c'est de faire les deux vrilles et les trois tonneaux. Voilà. Et on se sera là pour cet épisode d'aujourd'hui. Non, je vais pas y trop loin. Où est-ce qu'elle est? Non, mais là, on est trop loin, je crois, à mon avis. Ah, on peut pas la prendre? Ah, d'accord. On l'a acheté pour rien. Bon, bah, tant pis, on va prendre la Audi. On va prendre cette Audi. D'accord, c'est des classes C qu'il nous faut, en fait. D'accord, ok, il veut pas nous lâcher autre chose. Bande de radins! Bon, bah, tant pis, on va la refaire, les amis. On va faire l'objectif de 3 tonneaux et je ne sais plus. C'était 3 tonneaux, non? Hein, je m'en rappelle plus. Est-ce qu'on peut se faire start pour voir ce que c'est? Est-ce qu'on peut savoir sur start? Alors, voilà. Alors, vrille 2, tonneau 3. D'accord, ok. D'accord, il faut faire 2 vrilles et 3 tonneaux, les amis. Donc, souvenez-vous-en bien. Faut que je me rappelle aussi en même temps, parce que c'est moi qui fais le jeu là, pour actuellement. Et si je me rappelle pas de ça va pas le faire. Donc il faut bien qu'on prenne les rampes. Bien sûr, si on peut. Ah, avec le nitro, on a gagné une sacrée patate quand même. Hein. On a gagné une sacrée patate. Ouais. D'accord, ok, j'ai trop freiné. C'est pas très malin de ma part. Voilà, bon, on l'a éjecté au passage, comme ça c'est pour le plaisir, mais pour rien, on l'a viré. Parce qu'on s'est fait aussi jeter. Mais ils sont où les trucs à tonneau ici? Il n'y en a pas? Non, ils en ont pas mis. Ah si, 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 là. Non! Non, bah écoutez, ça n'a pas marché le tonneau, malheureusement. Est-ce que je peux prendre celui-là? Ouais, oui, je passe par-dessus avec les tonneaux. Ouais, on va se manger la barrière. Ouais, magnifique! Bon, c'est pas grave, on s'en fout de finir dernier, nous les amis. Hein, c'est pas l'important. C'était vraiment juste l'objectif. Oh, tout en dérapant, j'ai trouvé la fonction, ça y est, comment déraper maintenant. Parce que c'est vrai que le dérapage dessus sur ce jeu était un peu chelou. C'est vous freiner et puis voilà, elle dérape toute seule. Un tonneau, allez hop, ça c'est bâclé. Donc on a fait les trois vrilles, me semble, si je me trompe pas. Voilà, hop. Bon, de toute façon, c'est pas grave, hein. On l'a viré au cas où, si tu as pas compris encore comment on fait pour que je te vire. Voilà, comme ça on gagne un peu plus d'argent aussi.
On gagne un peu plus de nitro. Bon, c'est pas trop l'intérêt. Ouh, magnificos. Magnificos. Maintenant, on a un tour. On a fait les objectifs. Premier. Non, je voulais finir premier, mais non. J'ai voulu finir premier, mais non. Avec la voiture qu'on a, surtout qu'on l'a améliorée et tout. Donc maintenant, on pourrait éventuellement réussir, quoi. Je pense que dans les autres courses, les amis, je crois qu'on pourra prendre la voiture qu'on voulait. Maintenant, on n'achète plus de voiture, les amis, et on économise pour pouvoir dans la troisième. Hein? Ça va, on avait fini premier tout à l'heure. Sur celle-là, là, on finit troisième. Ah, quoi? On n'a pas réussi un objectif? Et on n'a pas réussi un objectif? Ben si. Ah non. Oh la honte. Bon, c'est pas grave. Bon, sur ce, les amis, je pense que nous, on va se laisser là pour cet épisode d'aujourd'hui. Donc, j'espère qu'en tout cas, il vous aura plu. N'hésitez pas à venir me retrouver sur ma page Facebook, Google+, et Twitter. Voilà. Les liens seront dans la description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour pour avoir les liens directos de chaque page. Voilà. Moi, je vous remercie en tout cas de l'attention que vous avez portée à ma vidéo. N'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires, vos j'aime. Hein. Ça me fera énormément plaisir. Je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien. Salut tout le monde, à toutes. Oh,